Guy Verhofstadt, bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes le patron du groupe démocrate et libéral. Et quand vous prenez la parole ici au Parlement européen, vous avez l'art de ne pas passer inaperçu. Et pour mémoire, vous avez été un Premier ministre très populaire en Belgique pendant presque 9 années. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi des viennoiseries parce que Vienne, l'Autriche, il s'est fallu de peu que ce pays se retrouve avec un président d'extrême droite. Ça aurait été vraiment une catastrophe ? Je ne dirais pas une catastrophe, mais finalement, ce serait la preuve, naturellement, qu'il y a le populisme et le nationalisme qui est en ascension en Europe. Et c'est dommage, puisque, en fait, peut-être certains des critiques, des eurosceptiques, des nationalistes et populistes sont justes, hein, parce que l'Europe ne fonctionne pas pour le moment. Mais dire qu'il faut alors retourner en arrière et de nouveau se retrancher derrière les frontières nationales, ce n'est pas la solution pour nos problèmes. C'est au contraire, selon moi, un saut en avant dans l'intégration européenne et en finir avec cette Union européenne d'aujourd'hui qui est une confédération inefficace d'États-nations qui décide à l'unanimité. En fait, c'est ce que vous écrivez dans le livre que vous venez de publier qui s'appelle « Le mal européen ». L'Europe, elle est malade de quoi ? Elle est malade de cette règle de l'unanimité et du fait que c'est encore les États-nations qui dirigent en fait l'Union européenne et qui les font, d'une manière totalement inefficace. On ne peut pas attendre de 28 chefs d'État et de gouvernement de gouverner ce continent. Ça ne va pas. Il faut, comme aux États-Unis, un gouvernement, il faut un parlement, il faut des capacités et des moyens au niveau européen. C'est au niveau européen qu'on va résoudre la crise des immigrés, la crise de l'asile, la crise aussi de la sécurité et le combat contre le terrorisme. Allez, par exemple, le terrorisme, prenons-le, les terroristes ne connaissent pas de frontières. C'est nous, nos services de police, nos services de renseignement qui continuent à être gênés par les frontières. Donc vous dites qu'il faut plus d'Europe. Ouais. Et les citoyens, ils ne veulent pas de ça. Là, je ne suis pas d'accord. Et les chefs d'État, là, on est d'accord. Mais pour la population, je ne suis pas d'accord. La population, quand on leur demande leur avis, ils demandent plus d'Europe. Mais ils sont très critiques envers cette Europe. L'Europe, comme elle fonctionne maintenant, ils voient que c'est en crise au niveau économique, au niveau de l'euro, au niveau des réfugiés, au niveau migratoire, au niveau géopolitique. Mais ils ne sont pas contre l'Europe. Quand on leur demande, par exemple, même aux Britanniques, qu'est-ce que vous pensez d'une, par exemple, l'armée une armée européenne. Alors, la plupart disent oui à ça, parce que les Européens savent très bien qu'il faut en finir avec ces conflits dans notre voisinage, par exemple en Syrie. Et c'est ça qui est la cause de nos problèmes au niveau de la migration, au niveau du terrorisme aussi. Alors, regardez ces images, Guy Verhofstadt. Ce sont des images qui ont été tournées à Madrid. Ce sont les indignés en Espagne qui viennent se rassembler à l'occasion du 5e anniversaire de leur mouvement citoyen. En résumé, les indignés, c'est quoi ? Ce sont des jeunes qui croient en l'Europe, mais qui ne croient plus aux institutions, qui ne croient plus à la manière traditionnelle de faire de la politique. Vous auriez 20 ans aujourd'hui, vous seriez un indigné ? Je crois non plus dans les institutions actuelles de l'Union européenne. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que je crois que c'est vraiment là le problème. Le problème, c'est que nos institutions ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui, ne sont plus adaptées parce qu'on a affaire, par exemple, avec la Chine. La Chine, ce n'est pas une État-nation, ce n'est pas une nation, c'est une civilisation, la civilisation Han. Et l'Inde, par exemple, ce n'est pas une nation non plus, c'est 2000 nations, ethnies, 20 langues, 4 grandes religions. Donc il faut repenser, réinventer la façon dont on fait de la politique en Europe. Aussi au niveau de la politique sociale, parce qu'une des choses pourquoi ce mouvement a été créé, c'est parce que l'Europe s'occupe de quoi ? Budget, fiscal, l'économie, etc. Mais pas, par exemple, aussi d'une politique sociale, parce qu'une politique sociale au niveau européen... Ça doit faire part aussi de nos préoccupations le plus vite possible. Autrement, tous ces mouvements vont gagner en force. Et ce qui est le plus grave, c'est que de temps en temps, ils tombent aussi dans le nationalisme et le populisme. Par exemple, ici, il n'y a pas seulement, je dirais, des forces politiques à droite qui sont nationalistes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes politiques à gauche qui, en fait, disent exactement la même chose que les nationalistes, que l'Europe ne peut pas fonctionner. Vous avez aussi peur des gens d'extrême gauche que des gens d'extrême droite ?
Ouais, je pense qu'il y a naturellement une différence, mais ici au Parlement, on voit parfois, quand il y a des votes, que les extrémistes des deux côtés se trouvent et votent exactement de la même façon. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est une révolution au niveau européen. Et cette révolution, c'est créer vraiment un gouvernement pour l'euro, une trésorerie, un budget. Et c'est ça qu'il nous faut. Et j'espère, avec ce livre, aider à créer un mouvement qui dit c'est vrai, cette Union européenne ne fonctionne pas, mais la solution, ce n'est pas de tomber dans le nationalisme du passé. Il y a eu les pères fondateurs, vous voulez être un père refondateur. Dans une certaine mesure, oui, et je pense que les pères fondateurs avaient raison. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, c'est-à-dire une union politique, une communauté de défense, une vraie démocratie européenne. Et c'est dommage que dans les années 50, les Français, dans l'Assemblée nationale en 1954, ont refusé la communauté de défense et cette union politique. Autrement, on aurait déjà aujourd'hui une constitution, un traité qui était capable, je suis persuadé d'être aussi efficace que celui aux États-Unis d'Amérique. Prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire bleu, à haute voix. Par hasard. Que vous allez lire à haute voix et sans crainte, bien sûr. L'Europe est-elle soumise à Erdogan? Oui, dans une certaine mesure, oui, pour le moment. Vous avez parlé du sultan Erdogan. Hein, vous avez eu des mots très forts. Hein, ouais, mais parce que c'est complètement inacceptable qu'on a dit, bon, c'est Erdogan qui va résoudre nos problèmes avec les réfugiés. Vous avez dit exactement, nous donnons les clés de l'Europe au sultan Erdogan. Oui, parce que c'est lui qui décide aujourd'hui qui peut entrer et qui ne peut pas entrer en Europe. Tandis que c'est nous-mêmes qui doivent organiser un corps européen des gardes-frontières. C'est nous qui devons décider qui entre, qui n'entre pas. C'est comme les Américains aurait demandé par exemple au Mexique, ah, c'est vous maintenant qui allez protéger les frontières des États-Unis. C'est impensable. C'est ça qu'on fait avec Erdogan. Et Erdogan utilise les réfugiés comme par exemple Poutine utilise l'énergie comme une sorte d'arme contre nous. Mais je peux vous dire, et je suis content que pour le moment, il y a l'unité, pas seulement au Parlement européen, mais aussi avec les chefs d'État et de gouvernement. Pas question de maintenant payer une libéralisation des visas sans que, par exemple... C'est ce que dit Erdogan, si on ne supprime pas les visas pour les citoyens turcs, exactement. Eh bien, on va ouvrir le robinet migratoire. Moi, je ne suis pas contre, mais s'ils remplissent toutes les 72 conditions qui sont nécessaires. Une de ces conditions est particulièrement importante. Une de ces conditions est que la législation turque en qui concerne la lutte contre le terrorisme est changée, parce qu'ils utilisent les lois contre le terrorisme, justement pour contrer, pour mettre en taule parfois des journalistes qui sont indépendants. Et ça, ce n'est pas possible en Europe. En Europe, la liberté d'expression, la liberté de la presse existe. Et si la Turquie, le gouvernement turc ne change pas dans leur législation dans cette direction-là, c'est impossible de donner la libéralisation des visas. Guy Verhofstadt, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va goûter cette petite viennoiserie.